Bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui, petite ouverture de coffret Fulgudog. Ceux-là, on les aime bien parce que dedans, il y a deux stars étincelantes, un voltage éclatant et un petit évolution céleste. Ce qui veut dire que sur un malentendu, on sort un Octali VMAX alternatif sur la vidéo. Et c'est probablement ce qui va se passer parce qu'on est en veine en ce moment. On va également s'ouvrir un petit peu de destinée de Paldea, les petits Poontel. On en a deux, ça nous fait 12 boosters plus 16, ce qui nous fera un total de 28, ce qui est excellent. Et pour tout ça, nous avons l'aide de notre petit Sébastien Grosjean, qui nous a apporté moult gros hits sur les dernières vidéos. Je l'ai pas ressorti sur les dernières ouvertures en off, et autant te dire que le résultat a été beaucoup moins fameux. Donc là, je compte sur lui pour qu'on puisse sortir du gros gros hit. Donc les petits coffrets Fulgu, on va les mettre sur le côté, on les ouvrira après. Badaboum! Et on ouvre les petits destinés de Paldea. Et ça, on aime bien. On veut sortir du Mew alternatif, du Gardevoir, du Pikachu Shiny. Je veux bien une paire de cisailles, s'il vous plaît, sans salsa. Bien sûr. C'est béni? C'est béni. C'est béni. Voilà, on peut y aller. Premier bundle. Premier bundle, premier hit. On espère. Qu'est-ce qu'on veut en dehors des alts et du Pikachu? On a dit... Ah ouais, c'est lequel qu'on n'a pas en... Roucoups. Comment ils s'ouvrent déjà ces trucs-là? Oh, mais il y a une petite ouverture facile, en fait, c'est très bien fait. Ouh, j'aime bien ça, on commence par une petite Illu Pikachu. Oh, il y a Kata, les Forgelina, on a un peu de tout dedans, c'est bien. Allez, on va faire ceux qu'on a le plus d'abord et ceux qu'on a le moins à la fin. Zai, 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 c'est parti. Premier boubou de cette grosse ouverture. Seb, t'es caché? Non, on te voit, c'est bon. On compte sur toi. La petite carte à code, on la tège et c'est parti. Élève de Paldea. Je suis encombré là. Ça va aller là. Ouah, c'est mieux là. Barloche, Chauve-Sourire, Compagnol, Sac de Menzi, Fulgulero. On est déjà à notre premier... Non, pas encore. Allez, est-ce qu'on a déjà une petite shiny? Non, on démarre timidement. Très timidement. Double reverse et une holo de Karmadura. Oulolo et... Et c'est pas ça qu'on veut, hein? Seb, attention à toi. Deuxième boubou. Deden. Menzi. Natu. Super bonbon. Camerupt, générateur électrique, Reptincelle, allez, mets une petite shiny derrière. Oui, ça prie, ça on aime bien. Quelle couleur. Combat. Je sais pas ce qu'on a en type combat. Autorose de Paldea, c'est bien ça. C'est joli. On prend. Et derrière... Reverse, suivi d'une holo. Du professeur Olim, la recherche professorale, bon, écoute, premier hit, petite shiny, destinée de Paldea, c'est rarement décevant, on a toujours plein de hits à sortir. La difficulté sur le set, c'est d'avoir les gros hits. Les petits hits, pas de problème, ça tombe. Il y en a 6 par bundle, ça nous... Ouais, c'est ça. Donc on devrait avoir normalement... Allez, 8-9 hits en tout, quoi. Avec la Sébastien pas loin. Doudouvé, Loclas, Mime, Grondog, Machine, Fulgulero, Quencia. Oh, comment ça, une reverse? Pas d'accord. Pas d'accord. Oh non. Oh non, hein. Me faites pas ça. C'est illégal de pas donner de hit sur Destinée de Paldea. Rattrape-nous avec un gros triple hit. On n'a jamais eu encore. On a fait double, mais triple. Hein. On l'a pas vu. Frigodo, Deden, Sonistrel, Eoko, Camerupt, Erio, Donphan. Ah, ça prie! Ça prie en noir. Tac-tac, j'adore! Trop content. Tac-tac, ça me plaît bien. Un de mes préférés de la dernière gen. Cool. Suivi d'une reverse, suivi d'une holo. Bon, bah, un simple hit, mais un hit qui me va bien. Petit tag, petite sleeve.
deuxième hit sur ce premier bundle, et il nous reste deux boubous. Pikachu, on te garde pour la fin. On veut du grand Seb aujourd'hui, on veut du Seb qui nous donne de l'alt. De toute façon, si Seb il donne pas d'alt sur la totalité de ce qu'on ouvre, bah Seb il sera plus là. C'est comme ça. Faut... Bah exactement. Eriro, Famignol, Machine. Attention Seb. Aïe 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 aïe. Extera Crystal, Dracaufeu, bah ça fait toujours plaisir hein, Dracaufeu, c'est un bon hit. C'est pas mal. 3 hits, 5 boosters, on est dans la norme de Destinée de Paldea. Dernier booster du premier bundle. Est-ce que ça gondole? Oh. Si, 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 j'ai l'impression que ça gondole. Ça gondole au niveau de l'avant-avant-dernière, l'antépénultième. Ce qui veut dire que nous allons avoir une petite shiny, au minimum. Mais en tout cas, sur la première reverse, j'imagine qu'on va avoir quelque chose. C'est faux. Nous n'avons rien. Alors, est-ce que ça gondole est juste derrière? Eh, petit AR! Ça gondolait, ça gondole toujours. Trio Pico en AR. On est content de les voir, les AR, mais si t'as déjà ouvert un petit peu de Destinée à Paldea, tu te rends compte par toi-même que ça tombe tout le temps, les AR, et comme il n'y en a pas beaucoup, elles sont très, voire trop faciles à compléter. En tout cas, quatrième hit en 6 boosters, c'est pas mal en quantité de hits. Deuxième Puntel. Est-ce qu'on peut faire un bundle avec les 3 alt Pokémon? En 3 boosters. Un petit call, t'es comme ça, un truc complètement indécent. Un God Pack. Ouais, c'est... J'ai vu des bugs sur Destinée de Paldea. Un mec qui a sorti 4 petites shiny dans un booster. Pensez au début que ça allait être un espèce de God Pack à la française, mais non, c'était un bug. C'était bogué. Ouh, y'a de nouveau du Pikachu. C'est en français ou en anglais? Français. Yakata, on a exactement le même pattern. Oh, il y a plein de Pikachu. Oh là 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 là. Et ça, ça sent bon, hein. Non? Pourquoi t'es pas serein? Je sais pas. Le pack là, il est épais. Y a un truc là. Y a un sketch, y a quelque chose. Y a. Y a un zit. Je pense qu'il y a un gros zit. Chauve-sourire. Compagnol. Axoloto, Nœud Neuf. Clove. Colossinge, Hyper Ball. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mimiki! Ça sent vraiment! I want to have a big hit. Yes. Le papier il bouge. Si ça gondole, c'est timide, hein. Non, j'ai rien vu. Vrombi, Ferro-Singe, Magma, Générateur électrique, Krakuos. On en est où dans l'Eco Unko? Il reste encore une Unko. Machine, et... Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas du tout de hit dans ce bundle? Deux boosters à la suite sans hit? Non, ça c'est pas bien. Si on a un autre booster sans rien dedans, ce sera mon record sur Destinée de Paldea. 3 boosters à la suite, sans rien du tout. Ça, c'est un record qu'on n'a pas envie de battre. On est bien parti pour le battre. Flotillon. Axoloto, tout tombe. Charbonbeng, Farfaduvé, Erio, Donphan. Allez, mets un truc qu'on... Oui, bien sûr que ça brille. En type dragon. Il y a pas dedans. Oh, Motorizard. Il est pas très joli ce Motorizard, mais je l'avais pas. Donc ça va. Derrière, on aura une reverse de Donphan et Dogrino Holo. Bon. Pour l'instant, on a des petits hits, mais on a rien de vraiment fameux, quoi. Il reste 2 boubous, 3 boubous, les 3 Pikachu. On aimerait bien sortir un truc qui soit un peu fou sur Destinée de Paldea. Mais y'a rien qui le garantit. Hein.
Après, on a vu des last packs Magic nous apporter bien plus que nécessaire. Ne soyons pas trop pessimistes non plus. Et Oko, Fantominus, Barloche. Ah, t'as vu quelque chose, toi. J'aime bien. Faible ball. Lanterne. Fragroin. Oh, sans déconner, encore une Rivax. Mais qu'est-ce que c'est? Eh, il est dur, ce bundle, là. Et on a eu qu'un hit. Il reste deux bobos. Oh, c'est pas du tout satisfaisant. Ah, hein. Là, il était bien collé. Quand c'est bien collé, il y a une grosse halte. Ferro-singe. Flotillon. Pikachu. Première fois qu'on le voit aujourd'hui en deux bundles. Tout tombe. Famignol. Colline claire de lune. Reptincelle qui appelle le drac au feu derrière. Oh là là, non, mais qu'est-ce que c'est? Oh, y a rien dans le bundle, c'est une catastrophe, Malvala, Molo. Oulolololo, Sébastien, attention ta tête, toi. Tu pourrais partir comme t'es venu, hein. Bon, record 100 hits battus, je crois. Hein. Ah non, même pas encore. Hein. Ça sent pas bon, hein. Allez, last pack magic sur Destiné de Paldea, s'il te plaît, mets-moi un truc qui va bien, là. Clove. Reptincelle. Machine technique, point de crise. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bundle? Qu'est-ce que c'est que ce bundle? Et est-ce que t'as déjà vu ça sur Destiné de Paldea? Sérieux, 5, 6 boubous, 1 hit. Et Motorizard. Oh, le bundle de l'enfer. Autant le premier, il y avait du hit, même si c'était pas non plus la grosse folie, mais il y avait des hits, quoi. Là, c'est très dur. C'est très dur. Bon, Fulgudog, hein. C'est parti. Nous, on a un chien. Ah, nous, on a un chien, oui. Nous, on a un chien. On s'est fait U. Ah, il est bien scellé, celui-là. Non, pas de ciseaux. Y'a mon Optali dedans. Les petites promos, on va les mettre sur le côté et on va sortir les petits boubous. Nous avons Star étincelante, ça c'est bien. Voltage éclatant, ça c'est bien. Et évolution céleste, ça c'est encore mieux. Et nous en avons 4 à déballer, c'est pas mal. Voltage d'abord, je dirais. Série sans alt. Y a, bon, sur un malentendu, on peut avoir le gros Pikachu Rainbow, mais après des millions de boosters ouverts, je l'ai jamais vu. Ah ouais? Jamais. Ah, il faut faire un petit tri maintenant. Ouais. Ce qu'on aime bien sur Voltage, c'est les Amazing Rares. Moi, elles me plaisent énormément, ces cartes. Ça fait toujours plaisir d'en trouver une de temps en temps. On va voir si tel est le cas cette fois-ci. Karatrok. Grenipio, Evoli, Ariolou, Kélocroc, Polichombre, ah c'est une river, c'est Moustillon, et holographique quand même, Dialga, bon écoute, hein, c'est du EB, une holo, c'est mieux que rien. Alors, Star étincelante, et là, Star étincelante, il faut faire attention, parce que Star étincelante, à l'arrière du booster, se trouve un truc qu'on veut pas voir, c'est la couleur du code. Ouh, je pensais que ça sent bon. I have a feeling. I got a feeling. Un Cisache, Barista, Riolu. Et Tourmi, Spiritomb, Lexi, Crémy, une vieille reverse de Lixi, et... Oh, le feeling était excellent, une belle rare de Libégon. Oh, la tristesse. Et on est en train de se faire dépouiller, Sébastien, attention de tes oreilles, hein. Là, Sébastien, il est pas bien. Non. Il vaudrait mieux pour lui que dans ce booster, on ait le Dracofeu alternatif. Ça pourrait lui sauver la mise. Oui. Énergie. Luxio. Capoeira. Bassin de magma. Gringo.
M, viens ici toi, pourquoi tu t'en vas, je t'ai rien demandé. Et Oko, 8 Sikram. Shashidou, Balbuto, Reverse, Boreas et... Ouh, Full Art. Qui peut être un Dracaufeu alternatif là, oh là là. Ah non, ça c'est pas du tout une halte. C'est une Full Art normale et on a Libégon. Bon écoute, c'est une Full Art. On a eu la petite vibration qui nous dit peut-être t'as une halte, peut-être t'en as pas. Et bah peut-être t'en as pas eu. Mais c'est un hit, on le prend. Hein. Sur Star Étincelante, une petite Full Art, c'est déjà bien. Allez là, ça y est, maintenant le drame. Évolution céleste, oh, c'est très compliqué d'avoir un gros hit, mais alors quand il tombe là-dessus, boum ! Allez, on se spoil rien du tout. 1, 2, 3, 4. En même temps, on dit on se spoil rien du tout, mais. Ah bah tiens, y'a rien. Mais je vais tirer sur la carte code. Moi, je te dis qu'il y a une petite V dedans. Ah non, on se spoil pas avec le code, mais t'as raison. Y a pas de code blanc, code. Non, on a un petit hit à mon avis sur ce booster. Après, je pense un petit, pas un gros. Mais c'est déjà bien. Nenupio, Ténéfix, Reverse de Tignon et. Oh, sans déconner, une gold. Bah. Caverne de cristal en gold. Bah, eh. C'est pas facile à faire sortir ça. C'est pas des cartes qui valent très cher et tout, hein, mais c'est rare. C'est rare. Donc, petite caverne de cristal en gold. C'est satisfaisant. On aurait préféré que ce soit autre chose parmi les gros hits de la série. Pour l'instant, Évolution Céleste est devant les bundles. Ouais, tout à fait, c'est incroyable. T'as les bundles, c'était vraiment la cata, quoi. Bon, allez, il reste 3 petits coffrets Fulgu. Est-ce qu'on va réussir à sortir un bon gros truc de fou? Bon, déjà, en vrai, celui-là, c'était un bon coffret. Hein. Star étincelant deux fois. On a encore un petit Nymphaligon, petit booster Pikachu sur le voltage éclatant. Petit Pikachu. Le code, 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Petit Amazing, on aimerait bien là. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus les petites Amazing. Fromage maman. Limagma. Petit boudet, Doudouvet, Statitique, Pijako, Ningal, aïe, Dardarnion, ouais, c'est une pioche normale sur un booster, et voltage éclatant quoi, hein. C'est dur. Star étincelante maintenant. Énergie, Sauvegarde de Rose, Mustéflotte, Ceinture Choix, Farfuré, Quenotor, Electek, Eoko, Grignot, Reverse, qui est une Reverse, attention de Tchiren, et bon, Mewtwo en rare, c'est pas ouf. Premier coffret Fulgudog était assez généreux, 2 hits en 4 boosters, c'était vraiment bien. Là, c'est un petit peu triste ce qui est en train de se passer sur celui-ci. Oh, la V-Star. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a eu une vieille légende comme ça, quand les premières cartes V-Star étaient visibles dans les boosters, où on te dit, soi-disant, si t'as une carte V-Star, c'est que t'as un hit. Ce n'était pas vrai. Mais est-ce que ça pourrait pas se vérifier quand même aujourd'hui? Ça m'aiderait beaucoup. Tarinor. Une belle Reverse de Balbuto. Et une belle holo de Noctunoir. C'est triste. C'est triste, mais une holo, c'est mieux que pas d'holo. Évolution céleste, s'il te plaît. S'il te plaît. Je rêve de voir sortir le Noctali un jour de là. Pour les stats, tu vois, pour dire je l'ai eu. YouTube. Ah bah là, c'est complètement éclaté. Rubombelle, Zorua, Exagel, tu crois? Chlorobule, Grelasson, Soporifique, en Reverse, Tentacruel et Charpedo. Si, bah, c'est Céleste. En vrai, en 4 boosters, on a eu une gold.
C'est dur d'avoir mieux. Hein. Non, tu penses qu'on peut encore faire mieux? Bon, reste deux coffrets Fulgudog pour réaliser l'exploit. Trop bon, on les dégagera après. Ça s'en va là. Star étincelante deux fois. Voltage une fois. Et évolution céleste, le magnifique. C'est reparti pour un petit tour. Bah pour l'instant, Sébastien, il est en train de vivre sa dernière vidéo avec nous, malheureusement. Sans vouloir te mettre la pression, mon vieux. Ah, moi aussi. Après, on te compte en alt, parce qu'on est des gens généreux. Le Pikachu Rainbow, s'il sort dans voltage éclatant. Il reste des beaucoup. Par contre, s'il y a zéro alt dans les deux coffrets qui restent, Sébastien, c'est terminé. Parce que je me désabonne. C'est terminé. Rocabo, Mediana, Picasso, Reptincelle, Zygarde holographique, Sébastien, attention à toi, Coco. Là, t'es pas bien. Oh, le drac, on le prend un dernier. Hein. J'espère que le message est bien passé, Sébi. Star étincelante, let's go. Énergie, Gloria, Terraclope, Staros, Tadmorv, Mélophée, Electek, Kyonotor, Mustiboué, Reverse, on n'aura même pas une petite TG à se mettre sous la dent, Libégon, Sulfura, Holo, et les Holo, ça tombe, hein, ça, y a pas de problème. Hein. Mais alors les hits, ils sont où? Où qu'ils sont? Ah, tas de morts en début de booster. Est-ce que ça sentirait pas la halte? Ça sent le tas de morts. Ça sent le tas de morts. Assurance échec, Luxio, Capoeira, tas de morts. Évidemment, il est caché derrière, Mélophée, Electek, Kyonotor, Brutalibré, une belle reverse encore une fois de Torterra. La belle halte. Chenizel. Bon, aucun hit dans ce coffret. Genre, aucun. Sauf si, dans Evolution Céleste, se passe la tant attendue merveille incroyable, sortir le mégazite rêvé. Ça pue du fiac. Bah, il reste un coffret, hein. Résolution d'Armaris, copieuse, Pitrouille, Carvana, Tournicoton, Passe Rouge, Baguiguane, Reverse de Pitrouille, et... Oh. C'est dur, hein. C'est dur, les boosters épais et boucliers, là. Ah, la douille, ouais, comme tu dis, ouais. Ça fait mal. Bon, allez, c'est maintenant, là. Last pack, last coffret magique, hein. Merde. On va faire 4 hits, 4 halt. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait du bruit là-dedans? Oh! Regarde ce que je retrouve dans le coffret. Est-ce que ce serait pas un signe? Le scent de la victoire qui était caché dans le coffret. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Petit Star étincelant. Évolution céleste et voltage. C'est parti. Allez, le petit trick, les 4 de l'arrière qui vont devant. Énergie, Escroco, Donna, Picliron, Rocabo, Voltorb, Ningal, Eoko. Riolu. Oh, on n'aura pas pris une Amazing Metang et Holo Xerneas. Beaucoup d'Holo. Ouais. Sébastien est dans la panade là.
Sébastien est dans la panade. Hein. Parce que s'il se passe rien sur les trois derniers boosters, Sébastien s'en va. Ce serait quand même malheureux, Mustiflotte, ceinture choix. On veut pas que tu t'en ailles. On veut que tu nous donnes des grouilles. C'est tout, canard si chaud. C'était pour rire. Non, c'était pas pour rire. Tu t'en vas vraiment si on a rien. T'as de mort. Farfuré. TG. Ah non, une vieille reverse de Brutal Libré. Même ça, on n'arrive pas. Oh là 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 là. Manafi en rat. C'est très très dur. Oh. Petit miss print. Deuxième miss print. On va aller regarder après. Énergie. Bassin de magma, Balbuto, Coupenote, Tarinor, Stalgamin, Deden. Gringolem en reverse. Et. Ouais. Oh les holos quoi. Qu'est-ce qu'ils ont regardé, le petit miss print. Des petits problèmes sur le dos des cartes là. Et l'avant est tout à fait normal. Allez, regarde de côté celle-là. Donc on n'a pas de hit, on peut au moins s'arrêter sur les petits misprints. Alors, est-ce que je sens un truc? Est-ce que ça sent le Noctali? Est-ce que ça sent le Rayquaza? En tout cas, last pack magic! Énergie, Gant Excavateur, Batrachné, Pitrouille, Furiglon, Nénupio, Grélasson, Soporifique, Chaz. Oh. Eh ben, c'était pas l'ouverture de l'année, hein. Bon bah moi je vais me désabonner. Ouais, moi aussi je vais me désabonner. Chaîne YouTube pourrie, y'a pas de hit qui tombe. Ouais, c'est tout, ça arrive de temps en temps, c'était pas une grosse ouverture en termes de hit là, alors que purée, on en a ouvert des boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits en 28 boosters. Avec du Destiné de Paldea, c'est triste. Merci quand même d'avoir suivi la vidéo si t'as tenu aussi longtemps. Bonne journée, au revoir.